Grosse alerte dans le centre-nord du Burkina Faso. Au moins 20 terroristes tués dans des embuscades. Les forces spéciales burkinabées ont tendu vendredi plusieurs embuscades à des groupes de terroristes près de la localité de Gibga, province de Samatenga, région du centre-nord, tuant au moins une vingtaine de terroristes, selon un communiqué de l'armée. Un soldat a été tué et deux ont été blessés dans ces opérations. Selon le communiqué de l'armée, samedi, c'est sur la base de renseignements précis que des unités des forces spéciales ont tendu la série d'embuscades à des groupes de terroristes près de la localité de Gibga dans le centre-nord. Ces actions coordonnées, indique l'état-major, ont causé d'importantes pertes dans les rangs ennemis, avec notamment plus de 20 terroristes neutralisés et une grande quantité d'armement et de munitions récupérées. Des moyens roulants et des moyens de communication en quantité importante ont également été saisis, ajoute l'armée, et de déplorer la mort d'un élément des forces spéciales. Deux autres ont été blessés, précise le communiqué. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire du soldat tombé sur le champ d'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, peut-on lire. Le chef d'état-major général des armées a félicité les unités pour leur audace et les exhorte à poursuivre les efforts afin de renforcer l'ascendant pris sur les groupes terroristes ces derniers mois.